50 d'autres temps. Pauvres petits bons hommes, quand je pense à leur enfance, à tous ces misérables vers de terre, notre histoire est celle d'un homme aux nobles ambitions. Il se plaît à éliminer les êtres nuisibles et à le faire devant des spectateurs. Eh bien, maintenant, place au spectacle. Enfilez vos bottes en caoutchouc, les mioches. Je vous promets que ça va faire des étincelles. Le bourreau en mal d'exécuté. Ce type assis dans une cellule de la prison d'État s'appelle Charlie Ledbetter. Il est presque minuit et Charlie va mourir dans quelques minutes. S'il y a une chose à laquelle M. Ledbetter évite de penser, c'est à Joy Saylor, son vieux patron. Un jour, Charlie s'est envoyé un bol de vodka en guise de petit crème et il s'est dit qu'on l'avait salement rembarré quand il a demandé cette augmentation. Ce vieux Charlie a pris ça très mal. Ça faisait au moins 7 ans qu'il travaillait là et il pensait qu'on lui devait bien ça. Alors il est descendu et il a sorti son 44 de la boîte à gants de sa vieille Chevrolet. Il est remonté avec dans le bureau de M. Saylor. 2 dragées sont allées se loger dans la carcasse de Saylor, 2 autres dans les boiseries. Et la dernière a traversé une vitre pour être stoppée par une secrétaire qui passait par là, juste derrière l'oreille. Elle est tombée raide morte. Un tir plutôt chanceux, il faut le dire. Ou sans doute le seul coup de chance que Charlie Ledbetter ait eu dans sa vie. Je crois qu'en ce moment, notre Charlie Ledbetter doit sérieusement commencer à penser à la mort qui l'attend. Il doit penser à ses couches-culottes qu'on lui a dit de se mettre. Je me demande s'il fera dans son froc quand je lui balancerai le jus d'ici 2 petites minutes. C'est pas juste! C'est pas juste! Ah, il devrait. Non! Mon cœur sursaute, ma force m'abandonne, même la lumière de mes yeux. Mes amis, mes compagnons se tiennent le cap. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand c'est leur tour d'y passer, tous ces gros durs se répandent sur le carrelage. Ils pleurent, ils hurlent et ils supplient le bafouille que le gouverneur a téléphoné et tout et tout. Mais ça fait 12 ans que je suis là et le gouverneur a toujours pas téléphoné. Les gens racontent des choses horribles sur l'électrocution. Ils disent que du sang noir vous sort de la bouche, que vos yeux éclatent comme des bulles de savon, que vous bavez comme un chien enragé. J'ai des conneries, tout ça. Y a rien de vrai là-dedans. Ce qu'il y a de bien avec l'électricité, c'est que c'est propre. Ah, bien sûr. J'ai vu quelques crânes fumer un peu une fois que c'était fini. Et un crâne qui fume, c'est pas beau à voir. Comme j'ai dit, je ne serai jamais pas. Quand mon pied chancelle, car je suis prêt à chuter ma douleur et sans cesse. Attendez un peu! Il va appeler! Le gouverneur va appeler! Non! Il va se gracier! J'en suis sûr! Non! Le gouverneur va appeler! J'en suis sûr! J'en suis sûr! Oh, écoute, écrase, Charlie. Tu pleurniches comme un gamin. T'as buté 2 personnes et tu vas faire le grand saut. Il faut bien payer la note, tu crois pas? Pourquoi vous faites ça? On m'a dit que c'est la plupart des bourreaux n'osaient jamais regarder les prisonniers en face. De peur d'en être traumatisé, il paraît. Non! Pas moi. Je les regarde toujours. Et voilà, monsieur Ledbetter.
Vous êtes maintenant fin prêt pour recevoir les deux petites secousses que l'État exige. Je crois que nous devrions procéder, Miles. Le gouverneur n'a pas appelé. Bien, monsieur. Nous sommes prêts. Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Efface mes forfaits. Lave-moi complètement de ma faute. Car moi, je reconnais le je me rends. Puisse le pardon de Dieu m'apporter le bonheur du paradis. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'il soit juste et tranquille, qu'il soit saint et qu'il juge. Voilà que j'ai fait dans la faute et dans le péché maintenant. Traite-moi avec pitié pour que je sois pur. Lave-moi pour que je sois plus blanc que neige. Cache ta face devant mes péchés, efface toutes mes fautes. Couvre-moi de ton pardon, moi aussi. On dit que l'effet du courant est si rapide que le cerveau est cuit dès qu'on met le contact. Il ne sent absolument rien. Oh, moi, quand j'y pense, ça me perturbe. Je viens de la campagne, mais j'adore la ville. Oh, c'est malsain, crasseux. Ça se montre tel que c'est. Mais la nuit, il y a toutes ces lumières. C'est vraiment beau tout ça, non? Je me nomme Miles Talbot. Depuis environ 12 ans, je suis le bourreau de cet état. Quand je me suis ramené de l'Oklahoma, j'ai démarré comme électricien et après ça, j'ai trouvé un job dans la prison. M'occuper des générateurs. J'adore l'électricité. C'est plus fiable. Aucun risque. Certains États font ça au gaz ou par injection de poison. Ben moi, je ne me sers pas de ça. C'est comme ça qu'on tue un chien ou un chat, sans doute, mais pas un homme. Et il n'y a que la bonne vieille chaise électrique pour ça. D'abrogation de la peine de mort dans notre État. Ceci seulement quelques heures après l'exécution de Charles Ledbetter. Les opposants à ce nouveau décret affirment que la peine de mort est une mesure efficace contre la violence et le crime et que son abolition ne ferait que favoriser la criminalité. Cela entraînerait, de plus, une surpopulation au sein de nos prisons. Beaucoup affirment qu'une exécution est toujours un meurtre aux yeux de Dieu. Je suis vraiment navré, Miles. Ah, laissez, c'est pas votre faute. Vous y êtes pour rien. Je dois admettre que cette saloperie m'a pris par surprise. Si vous voulez, je peux vous écrire une lettre de recommandation. Oui, mais je pensais pouvoir reprendre mon ancien job ici. Vous aurez toujours besoin de quelqu'un pour votre groupe électrogène. Nous avons déjà quelqu'un pour ça, Miles. C'est vous-même qui l'avez trouvé. Écoutez, je bosse ici depuis pas mal d'années. D'abord 2 à la centrale électrique et puis 12 à pousser la manette pour l'État. Est-ce que l'ancienneté, ça compte pas un peu? Ce n'est pas ça, Miles. C'est seulement que... Nous estimons préférable de vous éloigner des prisonniers. Ils savent tous ce que vous faisiez. Ils savent tous que vous étiez l'homme qui... Ça pourrait mal tourner. Écoutez, j'ai rien à craindre. Si jamais il y en a un qui déconne, je saurais bien me défendre. Je dois essayer d'éviter ça, Miles. Si vous y pensez un peu, vous comprendrez. Oui, je comprends. Je suppose que c'est pas le genre de boulot pour lequel on vous donne une médaille. Un homme a toujours besoin d'un ami. Quelqu'un à qui parler quand on a le moral à zéro, quand on sait plus où on en est. Ça doit être pour ça que les bars ont été inventés. On sirote tranquillement un verre, on repense à ses problèmes, on fait un brin de causette et tout d'un coup, les choses vous semblent pas si terribles que ça. Les conversations de bistrot tournent souvent autour du baseball, du football, de la boxe ou des nanas. Mais avec moi, c'est pas pareil. En général, les gens veulent me parler de mon boulot. Peut-être je devrais dire mon ex-boulot. Celui-là est pour moi, monsieur Talbot. Je trouve ça carrément criminel. J'arrive pas encore à croire que ces enfoirés de politiciens aient pu faire ça. Après toutes ces années de service, ils vous ont jeté comme un de ces putains de viettes qui nous arrivent par bateau entier. C'est triste de gâcher tout ce talent.
C'est vraiment une honte. Merci, Vic. Ça me fait du bien. Mais ils ont fait pas mal d'émissions à la télé à propos de tout ça. Ils savent même pas ce qu'ils racontent, ceux-là. Ils veulent faire une bonne action. Mais ce qu'ils devraient faire, ce serait mettre un poste de télévision dans toutes les cellules de tous les prisonniers en circuit fermé. Et bien comme ça, tous les gars qui sont en tôle pourront voir leurs copains quand ils se font retirer. Ça, ça les ferait réfléchir. Ouais, j'aimerais voir ça. Il y avait un reportage l'autre jour à la télé. Le journaliste expliquait que si on filmait les exécutions en direct, tout le pays supprimerait la peine de mort. Ils en seraient tous malades. Il faudrait que ça s'arrête. Putain de journaliste, mais qu'est-ce qu'ils en savent, hein? Écoute, je vais te dire. S'ils passent des exécutions à la télé, je te promets que ça sera le plus grand spectacle du siècle. Ça sera terminé leur jeu à la gomme. Il y aura des morts sur toutes les chaînes, ils se battront pour être les meilleurs. Et bientôt, ce sera Robert Redford qui poussera cette manette. Hey, ça fait presque 2 ans que je le fais pour toi, non? T'as oublié? 2 ans. Que pour toi, je t'ai ramené du fric, non? Ouais, tu me coûtes. Ça se passe toujours de la même façon. On commence poussière et on finit poussière. Ils m'ont viré de mon boulot parce qu'ils avaient peur de moi. Ils ont peur de la mort. Ils savent pas qu'elle est partout. C'est un virus. On la mange, on la boit, on la respire, on la baise. On la porte tous avec nous. Elle grandit dans nos tripes. Tiens, ceux-là, par exemple. Voyez ces deux camés. Quel pauvre débris. Ben, je vais vous surprendre. Dans un sens, je les respecte. Ils sont honnêtes. Ils dépensent tout le blé qui leur tombe sous la main pour s'envoyer un peu de mort dans les veines. Pour le plaisir. Pour avoir un avant-goût de la tombe. Ils savent que la mort est pas loin. Ils la taquinent. J'adore ça. Bien sûr, faut pas oublier que c'est des parasites. La graine de criminel. À l'examen des...